Baptiste compte parmi les nouveaux candidats de la 18e saison de L'Amour est dans le Pré. Son portrait a fait fondre les internautes, qui imaginent déjà qu'il va recevoir un abondant courrier. Ce lundi 30 janvier, M6 lançait officiellement la 18e saison de L'Amour est dans le Pré. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir la première partie des portraits de cette nouvelle édition. Ce sont 11 hommes et 3 femmes qui cherchent l'amour cette année. Parmi les candidats, les téléspectateurs de la chaîne vont peut-être reconnaître le visage de Julien, qui avait déjà participé à l'émission, mais en tant que prétendant. Il avait été invité au speed dating de Guillaume, le premier agriculteur gay de l'émission, qui avait ensuite renoncé à l'expérience. D'autres témoignages pourraient les émouvoir, comme celui de Roméo, producteur de fourrage, qui a été victime d'un terrible accident de voiture qu'il a laissé entre la vie et la mort. Baptiste s'est confié sur sa séparation. Baptiste a été le premier candidat de cette nouvelle édition à rencontrer Karine Le Marchand. Cet éleveur de brebis et lavandiculteur s'est séparé de la mère de sa fille, alors que celle-ci n'avait que 18 mois. Il s'est confié, les larmes aux yeux, sur cette rupture auprès de Karine Le Marchand. Tu es un mari parfait, un père formidable, mais je crois que je vais partir, lui a asséné sa compagne avant de la quitter. Et une thérapie de couple n'a pas suffi à les réconcilier. En gros, la chose qui m'était reprochée, c'était de trop travailler, de ne pas passer assez de temps à la maison. Je reconnais que je passais trop de temps au travail, concède Baptiste. Pour moi, c'était inconcevable. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on se marie, qu'on fait un enfant, si est-il pour la vie, déplore-t-il encore aujourd'hui. Sous le choc de cette séparation, il a perdu 13 kilos en 3 semaines. Les internautes craquent pour Baptiste, il va crouler sous le courrier celui-là, a pronostiqué l'animatrice après son échange avec l'éleveur. Ils ont été nombreux à partager son point de vue sur Twitter. Baptiste, mama, le nombre de courriers qu'il va recevoir. Lui il va avoir 472 lettres et 256 colis, ont par exemple noté les tweetos, à grand renfort de gif. Au-delà de son histoire très touchante, le physique et la douceur de l'agriculteur ont fait mouche auprès des internautes. Il semble très bien ce Baptiste. Mais il est trop beau, aime bien ce petit Baptiste, ça a l'air d'être un bon gars attachant, se sont-ils extasiés. Il faudra encore patienter quelques mois pour savoir si ses pronostics s'avèrent exacts et surtout si la femme de sa vie se cache dans les courriers. Baptiste hashtag ADP 2023 hashtag ADPPIC. Twitter.com/kmchikou, manon@manon-baschlzn, January 30, 2023 il semble très bien ce Baptiste. À suivre. Hashtag ADP hashtag IDP 2023, romain-rom2-rom2-romain, January 30, 2023 mais il est trop beau hashtag IDP 2023, jessiejames@jessiedk, January 30, 2023 alors Baptiste, il va donner une tonne de travail aux agents de la poste, vu le nombre de courriers qu'il va recevoir. Hashtag ADP hashtag ADP 2023 pic.twitter. Comme Rifgoïque 9RW, News Télévision Real @nevstevril, January 30, 2023 Baptiste hashtag ADP 2023 hashtag ADP pic. Twitter.com/vnlw96 YNFI, Lucas @lucasibs,
January 30, 2023, Baptiste semble être un super mec, il aura assurément plein de lettres. Hashtag IDP 2023, hashtag ADP, Franck Moilier, arrobase Franck AM 22, January 30, 2023, Baptiste, Mama, le nombre de courriers qu'il va recevoir. Hashtag IDP 2023, hashtag ADP, Ghost, salut Vulcain, Monaco, arrobase Mister-Bafurio, January 30, 2023, lui il va avoir 472 lettres et 256 colis, hashtag IDP 2023, croissant de lune, arrobase Sekhmet, January 30, 2023, aime bien ce petit Baptiste, ça a l'air d'être un bon gars attachant. Tracteur, hashtag ADP, hashtag ADP 2023, Neferkali, arrobas Neferkali, January 30, 2023, Baptiste quand il va recevoir son courrier, hashtag ADP, hashtag ADP 2023, pic. Twitter.com/chauffe9lmr, microphone, Trina McEudine, microphone, arrobase Trina officiel, January 30, 2023. Beaucoup de femmes ce soir en voyant Baptiste, hashtag ADP 2023, hashtag ADP pic. Twitter.com/pvh6cv9wood, Lucas, arrobase Lucasibs, January 30, 2023. À lire aussi, c'était inconcevable. Baptiste, l'amour est dans le pré 2023, se confie sa rupture avec sa compagne 18 mois après la naissance de sa fille.